Salut, je vais commencer par quelques photos de la Lune, là, où on voit non seulement des points lumineux quand même, là, c'est pas du grain de photo, là. On voit des points lumineux, trois ici en bas, quatre. Et puis, on voit surtout une sorte de dôme, hein, quand même, avec soit un point lumineux, soit de toute façon un reflet solaire, un reflet de la lumière. Ici aussi, il y a a priori quelque chose qui émet de la lumière. Une autre photo, là, qui nous montre, faut admettre, hein, faut admettre, il y a une goutte de mercure là au fond de cette... Il y a une goutte de mercure au fond du cratère, là. Enfin, je le vois comme ça, hein. Je le vois comme ça à cause de l'ombre ici, du reflet lumineux. Il y a là une bulle. Bon, ben, c'est un dôme, a priori, ça ne doit pas être du mercure, hein. N'y a pas de raison, d'avoir ce reflet ici, de même que celui-là. Donc, soit c'est un reflet d'une surface, soit c'est une émission lumineuse. C'est des photos assez vieilles, ça, hein. Donc, maintenant qu'on connaît, grâce à Bruce Ciseaux, les possibles configurations de ce qui se passe et de ce qui est implanté sur la Lune, ben, qu'on connaît, on sait qu'il se passe quelque chose, on sait qu'il y a quelque chose. Hein, on a vu les tubes, on a vu les voies de communication, on a vu les angles droits, on a vu les hauteurs, on a vu, bon, je ne vous parle même pas des ovnis et des brumes bizarres qui se déplacent un petit peu comme des méduses ou des poulpes. Des ovnis qui émettent de la lumière ou pas, les rayons lumineux. Enfin, bon, il y a du monde, hein. Il se passe des trucs. Et cette vue-là, quand même, est très flagrante, hein. Le pire, c'est qu'on dirait que cette tache-là, lumineuse ici, là, qui est pas très normale, se reflète aussi sur le dôme. Alors j'espère que ma photo est bien dans le coin en bas à gauche et le plus en retrait possible. Voilà une autre vue de la Lune, hein, qui nous montre ben, je ne sais pas quoi. Alors là, ben, normalement une antenne c'est vertical. Donc on dirait plutôt quelqu'un qui aurait testé une Rhodes of, vous savez, c'est, on appelle ça. Ben, c'est une arme cinétique. C'est un tube de métal qui part de tellement loin dans l'espace qu'il arrive tellement vite qu'il perfore des couches et des couches de protection possibles. Il n'y a pas besoin d'exploser, il fait assez de dégâts comme ça, quoi. À côté qu'il peut être porteur d'une maladie en plus, hein, ou d'un gaz, ou je ne sais pas, d'une nanotechnologie. Enfin, il n'y a plus besoin de mettre de l'explosif si l'objet arrive comme un météore sur la planète. Et ben là, il est un peu en biais. Et on voit son ombre, hein. Non, ce n'est pas son ombre. Si? Non. Ce n'est pas son ombre qu'on voit. Il y a ici un petit quelque chose aussi. Ce n'est pas son ombre. Non, son ombre devrait être vers nous. Elle devrait être. Ben d'ailleurs, je ne sais pas si elle est marquée ou pas. Elle a peut-être été photoshopée. Parce qu'elle était trop nette. Je ne sais pas. Là, il y a peut-être un flou. Enfin, qu'est-ce que cela? Et alors, on va étudier par contre maintenant quelques prises de vue du ciel avec des phénomènes bizarres. Donc, on voit là un truc bizarre. J'espère qu'il va nous faire un agrandissement. Donc, effectivement, il y a un zoom. Donc, on voit là, je vous décrypte, on voit là un petit trait, un point lumineux, ici. Une sorte de chemtrail qui aurait bavé directement à angle droit. Donc, on peut imaginer qu'en fait, c'est l'invisibilité, le cloquage, on va appeler ça, hein, c'est de l'anglais francisé, hein, qui a foiré un petit peu et qui nous permet de voir une partie d'un bâtiment qui serait rectangulaire. Bon, j'ai un peu des doutes quand même. Il y a peut-être quelque chose ici, là, il y a du vertical, il y a ça ici. Le chemtrail s'estompe énormément, là. Mais est assez réaliste ici. Là, c'est très bizarre, ça. De encore plus près, qu'en pensez-vous? Maintenant que vous avez tous vu ma précédente vidéo à propos justement du warp drive,
des Stargate. On peut très bien imaginer que c'est un appareil qui est entre deux dimensions, en train de se matérialiser ou en train de disparaître. Toute proportion gardée, vous avez vu la taille de cet engin. On a des engins de cette taille-là, enfin, il y a des engins de cette taille-là, et des engins de dizaines de milliers de kilomètres autour du Soleil. Donc, il y a des engins immenses. Encore un agrandissement. Ça pourrait être un Cape Trail, hein, mais alors là, c'est très bizarre, hein, parce qu'on a quand même une forme en V, là, qui délimite. Est-ce qu'il propulse ce chemtrail? Est-ce que c'est un chemtrail? Est-ce que c'est une altération visuelle de l'arête du vaisseau? Je pense que il y a là en tout cas un bout de truc qui ressemble pas au reste, enfin qui ressemble pas, qui est rectiligne et dense. Je me demande même si l'autre partie du V, là, c'est pas encore un effet de ce bout-là. Alors, si ce n'est pas ce V là, ou ce petit bâton là qui a dessiné tout ça, vous vous rappelez cette manière d'illustrer la quatrième dimension à partir d'un dessin plat où monsieur, son nom va me revenir, dessinait des personnages plats, donc en 2D, et expliquer que si avec son doigt il venait traverser leur dimension à 2D, ces personnages-là percevraient soudain le bout de son doigt, puis une partie du doigt, puis traversant sa dimension, mais comme une coupe scanner, quoi. Donc on peut là imaginer que c'est de la 3D, mais c'est un engin en 4. Je sais pas. Il s'appelait. Oh. Il a un nom français. Il nous a transmis quelques petites histoires et il a fait le gatekeeper. Gatekeeper, ça veut dire portier. C'est celui qui garde le savoir. Hein. C'est le goulot d'étranglement entre la connaissance et puis ce qui est diffusé au public. Ah bon, je ne me rappelle pas de lui parce que je ne le porte pas en très très grosse estime non plus, en plus. Parce qu'il nous donne ça et il garde le reste pour lui et il se fout de nous. Donc ça vient du site Monsieur MBB333 et qui prend des photos et qui a là un drôle d'effet dans le ciel, effectivement. Vous avez donc le soleil, les nuages chemtrail, hein, ça c'est du chemtrail, ça se voit. D'ailleurs, il y a du ARP dans l'air là, qui organise les trains d'ondes. Il y a les diffractions, les différentes couleurs, les différents halos. Mais là, il y a un drôle de truc. Il y a un cercle là. C'est Elysium. Donc ça, c'est une image fixe d'un petit clip qui va nous diffuser. Je n'avais pas vraiment remarqué ce point blanc-là, parce que si c'est un Stargate, lui est en train de l'employer, de l'utiliser, d'en sortir ou d'en rentrer. Et moi, je pensais que c'était, à la limite, plus une lens flare, comment on appelle ça, des reflets lumineux sur les lentilles dans les appareils. Donc, on va le laisser tourner. Ah, c'est les photos dont il parle. Bon, pas d'intérêt. Si, il nous fait. Voilà, monsieur MBBBB. C'est bizarre. Peut-être c'est un effet art. Je vous avouerai que dans le détail, là, il y a quand même des points qui sont. Ah, qui sont plus pour moi, hein, qui pourraient être plus que la brume du nuage du chemtrail. Là, ce petit point blanc ici, là, moi je sais pas, mais on en a déjà vu des comme ça qui bougent, hein, dont des rods, des orbes, des ovnis, quoi. Pas forcément avec des itis dedans, hein, c'est du drone tout ça, sous AI. Ça, c'est un petit clip d'un mec qui filme en roulant.
Et ici, un clip tiré de nuit depuis une plage de la République dominicaine. Et vous allez voir, ça c'est donc la lune dans le ciel là. Hein. Et hop, vous avez vu passer là en travers, depuis ici là-haut jusque vers là en bas. Ça c'est très subtilement qui tourne en plus vers le fond là-bas, ou qui s'éloigne vers l'espace. Et puis là maintenant, alors. Un passage avec une prise de vue de la d'une ISS, d'une station spatiale, pas forcément peut-être celle qu'on connaît, devant la Lune, pris par un astronome. Regardez ça. Regardez ça. Très intéressant. Hein. Bon, j'ai un peu accéléré là, c'est à 1,4. C'est marrant, hein? Quand c'est dans le vide, on dirait presque la navette vue d'en face. Mignon. En fait, non. Enfin, bon, allez savoir. Et en morale de cette histoire, on va lire ça, c'est la population générale ne sait pas ce qui se passe et ne sait même pas qu'il se passe quelque chose. C'est Noam Chomsky qui a dit ça. Aussitôt que vous émergez depuis votre naissance est issue d'un certificat de naissance, qui est en fait un certificat de propriété. C'est fait partout sur la planète. Et même des fois, l'empreinte de pied du bébé est prise. Ça, c'est là en Corée, en Allemagne, en Colombie, en Birmanie, au Népal. Il n'y a pas beaucoup de pays hein, qui n'aient pas cette méthode, cette manière de faire. Est-ce que ce sont les jésuites qui ont répandu ça? Enfin, je dis ça parce que, voilà, quelle idée, cette déclaration, qui ça regarde? Pourquoi? Pour la gestion, mais pourquoi est-ce qu'il va gérer sans nous dire? Et comment? Et dans quel but? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Qui réclame la propriété de ces certificats? Qui possède ces certificats? Quelle est la value, la valeur de ces certificats? Oui, parce que ces certificats ont une valeur en bourse. Nous sommes cotés en bourse, nous valons, je ne sais plus, 100 000 dollars. À une époque, on valait 100 000 dollars. Peut-être même ça dépend qui, hein. Ah, parce que là, ils ne vont pas se gêner pour faire des différences, hein. Oui, il n'y a que nous dans le troupeau qui ne devons pas faire de différence. Eux, ils en font entre eux. Il y a une pyramide. Ils obéissent. Il y a une hiérarchie. Ça ne veut pas dire qu'il y a des différences, ne serait-ce qu'à ce niveau-là. Je ne parle pas en plus de sujets un peu chauds au niveau politique. Et donc, on finit en disant, la population générale ne sait pas ce qui se passe. Et elle ne sait même pas qu'il se passe quelque chose. Par contre, c'est nous qui passons pour les allumer, disait un peu tout le monde d'ailleurs. Enfin, tout le monde qui peut regarder ce genre de vidéos que j'ai dites. Ainsi que celle d'où je tire mon matériel. Et on va reprendre avec ces quelques observations d'OVNI, là, donc, que je tire d'un site dont vous aurez l'adresse en dessous, qui est, c'est accéléré, hein, mais on va le garder en accéléré. De toute façon, vous pouvez faire des arrêts sur image, vous pouvez ralentir l'image. Donc j'en suis à 1,8 là. On va redescendre à 1,7. Oui, un 7 parce que c'est proche de 1,6,18. On va faire une pause. On va aller un peu plus loin. Parce qu'il y a un petit passage quand même. Non, ben, il nous fait un ralenti, donc je ne vais pas vous accélérer des images qui sont ralenties. Et là, il y a un petit passage aussi filmé, un peu accéléré, mais bon, ce n'est pas très grave. Depuis l'ISS. D'un ovni, là, vous le voyez là au milieu du cercle, hein, il nous laisse une petite traînée de temps en temps. Enfin, il y a une transformation gazeuse derrière lui, là. Il y a un léger flou. C'est assez intéressant, oui. Alors, si vous avez déjà pris l'avion, vous pouvez imaginer à quelle vitesse il va, hein, vu les figurations, les formations nuageuses qu'il traverse à une vitesse. Là, il traverse l'horizon en une seconde, lui.
Voire presque. Hein, un peu agrandi. Ah, il traverse l'horizon en une seconde, ouais, à peu près. Bon, allez, on lui en met une deuxième. Et on va poursuivre avec cette observation nocturne de ce qui me semble être un TR 3B, avec des petits points lumineux tout autour qui pourraient être issus d'hélicoptères. Donc, s'il y a un essaim d'hélicoptères autour de cette forme, c'est déjà pas, a priori, un long courrier. Hein. Ça ressemble à je sais pas, pour l'instant, je dirais cigare, hein. Mais il y a un léger décalage entre les lumières qui font penser que c'est peut-être une vue en parallaxe d'un triangle. Voyez? Donc évidemment, je suggère à tous ceux qui prennent la route de nuit et même de jour, de toujours avoir à portée de main leur appareil. Donc pris toujours au suivi. C'est difficile de dire. Si ce sont quatre éléments ou un seul avec cinq lumières. Enfin, cinq éléments ou un seul avec cinq lumières. Le canal UFO et Alien a diffusé en janvier cette vidéo. Elle est assez intéressante parce que c'est la fin de la vidéo. Il va vous la remettre là depuis le début. Il y a carrément dessous un avion de combat à réaction qui fait une manœuvre. Je vais vous mettre le son une fois qu'il aura fini de parler. On va faire juste une pause, le temps de détailler la soucoupe. Il va falloir que je réaccélère là, c'est pas croyable, ils sont mous quand ils parlent. Ouais, c'est assez réaliste. Le son aussi. Le son ne me paraît pas rajouté, mais allez savoir. Hein, toujours. Enfin, il est réaliste par rapport à la manœuvre du jet. Voilà. Ça, c'est donc une petite vidéo de quelqu'un qui a pris au-dessus de chez lui. Voilà. On a des formes incroyables qui flottent. Bon. J'espère que la personne a été voir le shérif, tous ses voisins, et on fait une demande d'enquête, quoi. Mais c'est une urgence. On va arrêter de faire des guerres pour du pétrole, quand même, là. On va se réveiller, ou bien? Un peu plus grand. Je sais, il y a des stabilisateurs d'écran, mais j'en ai pas. De stabilisateurs d'image qui centrent sur le point focal et adaptent après la fenêtre. De façon à ce que l'objet ne bouge pas et qu'on puisse détailler sa structure. Mais bon, pas grand-chose. Finit par s'habituer. C'est moins agréable. C'est moins confortable. On en veut toujours plus, c'est normal. Bah, c'est-à-dire que ce confort-là permet aussi plus de détails, donc c'est assez essentiel. Ouais. Si on se faisait une petite vue de la Lune, là, parce que si vous remarquez ces points-là, est-ce que c'est normal? Qu'est-ce qui peut proposer une telle réflexion lumineuse? Bien, là, dans ce cercle, ils vont apparaître une flotte d'ovnis qui vont voler en zigzag. Donc je découvre la vidéo avec vous. Et pour l'instant, je ne les vois pas. Ah, si, je crois bien que si. Ah, il a mis une flèche, il est gentil. Ah, parce que vraiment, non, j'étais. Ah. Voilà, vous les voyez là? Pim, pim, pam, 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 il y en a partout. Ouh là là, oui. Ah oui, on les voit bien là. Je vais ralentir. Hein. Regardez les points. Hein, c'était mieux tout à l'heure. Regardez les points noirs là qui apparaissent. Donc c'est évidemment une vidéo à prendre en HD et à regarder en HD. Ah là là, oui, très intéressant. Très intéressant. Donc ça vient de chez Bruce C. Hall. Seize Hall.
Ah, là. En contrasté, lumière nocturne, là, vision nocturne. Ouais, et ils avancent en zigzag, effectivement. C'est assez étrange. Là, il y en a un autre, hein, de nouveau encadré. En fait, il y en a plein. Hein. Il y en a là, là, là. Vous avez vu encore. Peut-être celui-là, on va continuer. Donc, plus ou moins, ils apparaissent, ils disparaissent quand même aussi. Donc, est-ce qu'ils sont juste dans ce que je pense être une couche holographique qui couvre la Lune et qui doit être ondulée? Et donc, ils rentrent et ils sortent comme de l'eau, de vagues, hein, comme si une mer très agitée, de vagues, un appareil qui volerait comme ça. Donc, on le percevrait à chaque fois qu'il est hors couverture, on va dire. Là, on en a deux, trois des biens. Hein. Je vais vous les accélérer quand même parce que ça prend du temps. Mais. Il y en a deux, trois du bien. C'est toujours chez Bruce Seasall. Vous en avez un petit, là, à mon avis, avec son ombre. Hein. Et un autre ici, avec son ombre dessous, qu'il est en train de détailler. Donc, je vais éviter de mettre ma flèche dessus, je m'excuse. Ouais, si vous voulez faire des photos aussi, ça fait chier quand les gens ils laissent balader leurs flèches constamment, non? Mais je trouve. Voit bien l'ombre. Hein. On voit très, très bien l'ombre. Le mouvement, c'est fou. Il y a un, deux, trois éléments là-dessous. Il y a peut-être trois éléments dans le rond. Ah, il est excellent, hein, celui-là. Il est excellent. Ah, c'est bien, il a même enlevé. Ah, c'est bien quand il enlève son rond au bout d'un moment, on n'a plus besoin de nous montrer. Au-dessus, il y a un petit point. Il y a cette longueur. Et il me semble qu'au sol, il y a encore autre chose. Donc, il y a l'ombre au sol. Où il y a une brume. Mais enfin bon. Bon, ça s'est pris dans le ciel de Birmingham. Vous voyez c'est tous ces petits points là? Là, il y en a trois. Tout à l'heure, il y en avait un. Regardez là, là. Regardez, regardez. On dirait un essaim d'oiseau. Il y en a même qui vont dans le contresens. Donc, je vous laisse l'adresse là pour pouvoir aller chercher si vous voulez. En pleine journée. Hein. Hop. Oh, ben, dites-moi. Ni rapide. Celui-là, il est bizarre, il vole en couple ou bien il est plus long et il a deux points lumineux. Donc il a filmé ça à Birmingham au-dessus du supermarché, quoi, je veux dire. Hein, c'est même pas. À moins que ce soit une base militaire, ça m'étonnerait. Peut-être. Hein. Il finit sa vidéo par un alligator qui est congelé dans le marais. Mais il meurt pas. Hein. Il dégèle, il me semble. Voilà, vu de profil, c'est un vrai. C'est pas un fake. Et il me semble bien qu'il est toujours vivant. Il est congelé, vivant. Ce matin-là, ils en ont trouvé 18 comme ça. Il semblerait que les alligators sachent quand est-ce que la glace va friser et donc ils se débrouillent pour garder leur nez à l'extérieur. Mais ils respirent. Ils sont dans un état similaire à l'hibernation. Je vous avoue. Il fait une pause temporelle. Donc avoir un petit bout de vidéo. Ah, ça nous change les ovnis. Voilà, il filme. C'est fou ça. Il y avait des grenouilles aussi qui sont capables de faire ça. Je ne sais pas s'ils vont nous montrer les alligators se réveiller. En tout cas, c'est bien clair que c'est un réflexe intelligent. Donc, ça vient du Strict Disclosed Screen. Et on va reprendre un petit peu l'espace et d'altitude en finissant par les EMV, qui sont donc des véhicules électromagnétiques, électromagnétiques véhicules, un S pour le pluriel, qui sont en orbite dans la couronne solaire. Donc, il vous les a encadrés. Là, ce sont tous les points qu'on voit.
Et vu la taille du Soleil, vu la taille de la Terre, qui est à peu près celle d'un de ces points. Voilà. Voilà, celui-là, il est assez gros, là, comme ça ne va pas trop se diminuer. Il est trop gros par rapport à la Terre. À la taille de la Terre. Oui, la Terre a la taille d'un de ces objets. Voilà, ce sont des images officielles de la NASA. Hein. En détail, en agrandissement, c'est EMV, pour avoir ce genre de configuration. C'est comme s'il y avait des panneaux. Des panneaux qui forment différents volumes à l'intérieur. Ils changent de forme, ils ont une évolution, ils ont une vie propre. Certains itis les considèrent comme la main de Dieu. Ils nous disent, hein, nous on a arrêté de croire en Dieu et en toutes ces superstitions. Toutefois, eux pour nous, c'est comme la main de Dieu. C'est intéressant. Oui, quand on les regarde de loin, on a l'impression que ce sont des sphères simples, mais en regardant de plus près, vous pouvez voir que leur forme est beaucoup plus sophistiquée. Ils regardent tels que ceux qui ont été dessinés il y a 10 000 ans de ça dans des grottes sur la roche et dont on a une reproduction à l'écran ici et qu'on voit là. C'est lui là, la cible. C'est pas une cible. Et ça, c'est les panneaux dont je parlais qui configurent les parois d'un volume. Par contre, l'inclure dans cette forme-là est assez intéressant aussi. Donc ça, c'est des dessins qui ont été découverts dans le bassin de l'Amazone par le professeur Hommet en 63 et qui les avait appelés les fils du soleil. Voici un schéma à l'écran. Et bon, peut-être une corrélation avec la swastika, mais pour moi, la swastika, c'est une figuration en 2D d'un mouvement. Voilà d'autres images des EMV. D'autres images. On va les accélérer. Vous pouvez faire des arrêts sur écran. Tac, tac. Il y en a plein. Il y en a plein de formes. Ça détaille. Des fois, c'est immense de chez énorme. Et n'oublions pas hein, que plus on s'éloigne de la surface du Soleil, plus on monte dans les millions de degrés. Tandis qu'à la surface, il fait que 6 000 degrés. Et que dans les trous noirs, il fait encore plus froid. Vous savez, les taches solaires noires, là. Il fait encore plus froid. Et que de ces taches solaires, il semblerait qu'ils aient perçu parmi tous les protons qui en sortent de quoi faire de l'eau. Ces objets permettent de fréquenter donc la couronne solaire et on les appelle électromagnétiques parce que s'il y a, qu'en considérant que par électromagnétisme on crée des écrans de protection qu'on puisse flirter avec les radiations qu'on peut trouver à cet endroit-là autour du Soleil. Et donc hommage à James Orrack. Vous avez le nom là, HORK, qui est un des premiers à élaborer un peu plus sur les EMV. Comment il peut faire ça? Ah, ben, il dit que c'est des copains à lui. Il dit qu'en fait, lui n'est pas humain. Il dit que c'est un walking quelque part, si je me rappelle bien. Et il est très sympa, il est très inquiet pour l'avenir de l'humanité, et il nous divulgue assez de choses et assez de mises en. Il y a des gens qui trouvent qu'il en fait un drame, mais évidemment, on va sur la fin du monde, il y a de quoi s'énerver un peu, quoi. Hein? Et il dit que là, normalement, les EMV nous protègent l'explosion solaire régulière qui pourrait y avoir tous les 17 000 ans, mais qu'a priori, si la Terre continue sur ce chemin-là, ce coup-ci, ils ne vont pas nous protéger. Enfin, ils ne vont pas protéger tout le monde, ils ne vont pas nous protéger. En fait, c'est quelque chose qu'il a dit il y a quelques années. Ça a peut-être changé depuis. Il n'y avait pas assez de monde qui s'était réveillé. Peut-être que maintenant, on a le nombre suffisant, le numerus clausus suffisantus. Bon, je vous remercie d'avoir regardé. J'apprécie votre intérêt pour ces ovnis. Hein. On les explique de mieux en mieux. Ce n'est pas des objets, ils ne volent pas. Ils sont de plus en plus identifiés, mais on va continuer à les appeler les ovnis, les UFO. Et parce que ça fait partie du jeu et ne pas se servir de ces arguments-là pour hein, demander une enquête et de toute façon réclamer un changement de paradigme énergétique, mais alors en urgence, quoi. Plus réparation et la totale, mais bon, ça c'est un second plan. Voilà, c'est des arguments politiques, quasiment. Allez, on va garder un bon courage. Il y a du boulot. Salut, ciao.